des chutes du Niagara, mais pas des Hurons aux Esquimaux, je vous change jusque chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les pommeaux, tu devras avec tes compagnons, dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, les moutons s'envolent loin, te guidera sur ton long chemin. Les danses de ton peuple sont si belles que tu épuiseras ton courage. Traditions sont des valeurs réelles. Elles te soutiendront malgré ton jeune âge. Et dans le crépuscule, seul l'éclat de ton nom rayonnant restera. Dans le ciel, l'aigle qui s'envole loin te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins. La nuit, tous les bruits sont comme la musique, le jour d'avant souffle et le feuillage danse, tout seulement pour toi une aide magique. Et ton canon marquera la cadence, ta chant qui sera notre gloire et qui, grâce à toi, deviendra notre. Attachez bien les canoës. Dépêchons-nous de monter les tentes. Le ciel est bas, la neige va tomber. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes fatigué? Laissez-nous faire, nous avons l'habitude de lutter contre le vent. Ne vous inquiétez pas. On a préparé une tente pour vous. Suivez-moi, vous trouverez des pierres chaudes à l'intérieur. Je ne suis pas habitué au froid du nord, ces pierres sont les bienvenues. C'est délicieux. C'est agréable de manger des patates chaudes. Tout à l'heure, on était morts de froid, et maintenant, grâce au feu, je retrouve toutes mes forces. Et qu'est-ce que tu vas encore faire comme bêtise, hein? Oh, ça va. Je crois qu'on nous écoute. Attendez, je vais jeter un coup d'œil. Ah, c'est vous, vous venez nous voir? Je suis content de voir que vous n'êtes pas encore endormis. Tenez, voici pour vous. J'ai pensé que vous aviez besoin de vêtements plus chauds. Et vous avez aussi besoin de bottes plus chaudes. C'est pour toi, Pocahontas. C'est très gentil, merci. Oh, qu'il est beau! Oh! Et en plus, les animaux sacrés brodés à l'intérieur. Grand chef, merci. Le grand esprit veut que nous honorions nos hôtes. Vous en aurez tous. Faites la distribution. Grand chef, tu es très généreux. Je te remercie du fond du cœur. Ton hospitalité nous touche beaucoup. Oh, c'est très chaud et très agréable. Quelle est cette fourrure? C'est de la fourrure de caribou. Si on m'avait dit que je porterais un caribou sur mon dos... Il a dû neiger toute la nuit. Venez voir! Qu'est-ce que tu veux? Oh! Par le grand esprit, pour de la neige, c'est de la neige! Tiens, attrape! Mmh,
As-tu passé une bonne nuit, Pocahontas? J'espère que tu as bien chaud avec ce manteau. Comment va-t-on continuer? C'est très simple. Nous partons en traîneau. Ah, formidable! Oh, qu'ils sont mignons! Allez, mes petits, et bonne chance! Installe-toi sur mon traîneau, Pocahontas. Il t'attend. Yeah! Aïe! Yeah! Yeah! Hey! C'est fantastique, et la neige n'a pas l'air de tenir beaucoup. Tu l'as dit. Nous allons pouvoir continuer notre route avec les canoës. Mais il va faire nuit. L'été dans le nord, toute la nuit, le ciel reste clair. Oh, oh. Pocahontas, on est arrivé! C'est vrai! Je vois beaucoup de gens sur la rive, est-ce possible? Tu attires toujours beaucoup de monde! Il y a les Ingalik et les Oligachuk. Ils ont fait un long voyage. Je suis Arnatoak, chef de ce village. Je suis Pocahontas, je viens vous apporter un message. Avec moi, il y a les chefs de plusieurs tribus. Quelques-uns viennent même de terres lointaines. Bienvenue. Merci à tous, merci pour cet accueil dont je suis très honoré. Lui, c'est Inuk, il vient d'une île qui se trouve entre notre grande terre et la terre qui est de l'autre côté de la grande eau. Je suis content de te rencontrer, Pocahontas. Moi aussi. Et lui habite la terre de l'autre côté de la grande eau. Mais je suis heureux de t'offrir ce cadeau. Quel beau manteau! Et moi aussi, je viens de loin. Je viens d'une île de l'autre côté de la terre, vers le soleil levant. En effet, Mute a voyagé pendant 3 longs mois pour venir t'écouter. Tu es courageux.
Tu as vu, ce continue. Il va tous nous les présenter, ben il y en a encore pour un moment. Respecte la tradition. Oui, mais qu'on respecte notre santé. Je crois que vous avez raison, vous devez être fatigué. Non, non, tout va bien. Écoute, on est esquinté, affamé et on a froid. Je te propose qu'on aille parler devant un bon feu. Ils ont raison, s'il y en a encore 50 qui doivent défiler. Très bien, allons sous la tente. Vous devez nous aider. Nous avons des ennemis, mais nous ne les connaissons pas. À plusieurs reprises, ils nous ont fait attaquer pour nous empêcher de continuer notre voyage et pour nous empêcher d'aller porter la parole du Grand Esprit. Déjà levé, Pocahontas? Ah, grand chef! Je suis venu pour te parler. J'ai réfléchi à ce que tu nous as dit. Il y a un moyen pour dénicher tes ennemis. Oh oui? Il faut parler à tous les chefs de tribu pour découvrir le secret. Et où va-t-on les rencontrer? À l'endroit où nous avons fixé le rassemblement. C'est beaucoup plus dans le Grand Nord, là où la terre est perpétuellement gelée. Je suis prête à aller là où tu me le diras, si c'est nécessaire. C'est très facile. On y a construit un immense igloo. Et voilà les otaries. Ces otaries sont très utiles aux Esquimaux. Et voilà le grand igloo qu'on a construit. Tous les grands chefs du Nord sont réunis, et en discutant, ils découvriront le secret de tes ennemis. C'est vraiment incroyable! Ne perdons pas de temps, il faut avancer. Il fait chaud ici. En tout cas, il fait bien plus chaud que dehors. Et maintenant, que fait-on? Sortons. Devons-nous déjà repartir? Le contact a été établi.
que c'est? C'est une aurore boréale dans laquelle apparaissent les esprits des morts. Les esprits des morts? Oui, regarde, ils vont danser. Ça commence tout de suite. Maintenant, Pocahontas, concentre-toi et écoute attentivement. L'esprit du ciel semble disposé à t'adresser la parole. Pocahontas, écoute. Ton ennemi est l'ennemi de toutes les forces du bien. Il était le chef d'une ancienne tribu qui vivait autrefois dans le sud. Tu es sûr qu'il parle en ce moment? Moi, en tout cas, je ne l'entends pas. Je n'entends pas, moi non plus. C'est pas juste, on devrait l'entendre, nous aussi on fait partie de l'expédition. Mort, oh, fais attention! Hein? Cette tribu faisait partie d'une civilisation qui a disparu et qui ne rêvait que de destruction et de guerre. Grâce à toi, grand chef, nous voilà renseignés cette fois. C'est l'esprit du mal qui veut nous barrer la route. Mais non! Qu'est-ce que vous faites avec vos couteaux? N'ayez pas peur! Oh, ce sont des tribus qui viennent pour voir Pocahontas! Oh. De toute façon, on ne faisait pas le poids. Je crois que je rêve. Dis, et toi? Tous ces gens-là vont nous attendre, il faut y aller. Avant d'aller les voir, il faut reprendre des forces. J'ai quelque chose à vous dire. Tous ces gens qui se rassemblent, il va falloir songer à les nourrir ce soir. Et alors? Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen. Dis-nous quel est ce moyen, moi je ne comprends pas. Il faut tout de suite organiser une chasse à la baleine. Il y a des baleines par ici? Oui, et ça va être très simple. Oh, j'ai tellement envie de voir ça. Je vais chercher Oluluk. C'est un excellent chasseur de baleines. Oh, attends-moi, je viens! Salut, Oluluk! Pocahontas, je vais aller chasser la baleine pour toi. Tu viens avec moi? Pocahontas, tu ne vas quand même pas partir avec lui? Et pourquoi pas? Ma mère disait toujours que j'étais un garçon manqué. Tu voudrais que je vienne, Oluluk? Bien sûr, tu peux venir, j'ai apporté mon talisman. Il contient des plumes de pinson et de la poudre d'hématite. C'est très efficace. Dis-moi, Oluluk, à la pointe du harpon, qu'est-ce que tu y mets? L'enduit d'une pommade. Bonne chasse! Au revoir! Oluluk, je voudrais pagayer moi aussi. Pas question, tu es mon invité, tu te contentes de me regarder manœuvrer. Oh. Attention, en voilà une. Oh.
là-haut. Non, je l'ai touché. Maintenant, je vais rentrer dans mon igloo. Je vais me coucher pendant 3 jours. Et la baleine, par magie sympathique, pensera que je suis malade. Et dans 3 jours, elle sera sur le rivage. Nous devons nous unir dans le respect de nos traditions. Toutes nos tribus, toutes nos nations ne forment qu'un seul et même peuple. Et cette union fera notre force. Restez vigilants. Les hommes blancs qui viennent de débarquer nous envahiront de plus en plus. Ils ne nous comprennent pas ou ne veulent pas nous comprendre. Et c'est à nous de faire valoir ce que nous sommes. Pour arriver à s'installer sur nos terres, ils emploieront sans doute la ruse et parfois la force. Mais quelles que soient les épreuves qui nous attendent, le grand esprit ne nous abandonnera pas. Restez fidèles à nos traditions et aux principes de nos ancêtres. Ceux d'entre nous qui peuvent en douter subiront sans doute plus durement que les autres les épreuves à venir. Écoutez-moi! Réveillez-vous! Montrez à l'envahisseur la valeur de notre peuple et de nos nations! Oui, bravo! Je crois que ça vaudra mieux. Oris! Oris! Ma parole, c'est la baleine! C'est ce que nous avait prédit Oluluk. Il sait ce qu'il fait. C'est un malin. En effet, cela peut paraître magique, mais au fond, c'est assez logique. Elle était blessée à mort. Yeah! Yeah! Chute Niagara, tu vas des hurons esquimaux, chevaux changent que chez les Mayas. Sans oublier d'aller voir les pommeaux, tu devras avec tes compagnons dans le but de remplir ta mission. Dans le ciel, l'aigle s'envole loin, te guidera sur ton long chemin. Pocahontas, princesse des Indiens, douce lumière, tous seront témoins.